jour de retour à Montréal. Aujourd'hui, sur le menu... Magasinage de meubles. Parce oui. que oui, nous emménageons ensemble. On déménage ensemble, guys! 1er juin. Fait que là, on est vraiment en avance. Vous le savez, qu'on essaie de connaître un peu, hein? Donc là, on regarde pour la majorité des mobiliers. Où est-ce qu'on déménage? Il y a déjà les électros. Donc ça, au moins, on va se casser la tête avec ça. Fait que c'est vraiment un petit à petit. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire ça avec vous, le déménagement. Les gros meubles, on prend ça à l'avance. Mais par la suite, tout ce qui est déco... Puis les petits gogos, on va rajouter ça au fil du temps. Graduellement, là, on va juste y aller. Hein. Mais là, c'est ça. On n'a pas de divan, on n'a pas de lit, on n'a pas grand-chose pour déménager dans un mois. C'est tout ce qui est liquidité. Il y a un peu moins de choix. On a essayé deux, trois divans, on était comme, non. Fait que là, on va aller Structube et Tanguy. Deux magasins de meubles. On vient d'aller à un magasin, là, ça s'appelle, attends, je vais vous montrer. C'est Roche Beaubois. On est comme, ah, ça a l'air d'une place de magasin. Mais on rentre, c'est des énormes divans. Ariane, elle s'assitue, elle me dit, assis-toi, c'est tellement qu'on faut. Là, je check sa table, le prix, 9 000 $ juste pour le fauteuil deux places. Je suis comme, je m'assirais même pas dessus parce que. Comme, les madames qui travaillaient là, ils nous ont même pas regardé. Ils étaient ouais, comme, ils ont dit bonjour, mais. Ce que je vais faire en ce moment, je vais regarder sur mon cell sur Pinterest des dispos. What did I do to deserve you? Ah ouais? Ouais. On arrive du Tanguay. Pire expérience vendeur au monde. Pire vendeur? Non, c'est... Je sais pas si vous êtes sur le monde de la vente, là, mais quand vous allez magasiner, comme on analyse vraiment beaucoup. Puis moi, j'étais dans le milieu de la vente dans le passé. Le gars, il s'en foutait, là. Il était comme, ouais, t'aimes le mouton? Puis on arrive, on est comme, ah, il est cool, lui. Il fait, ouais, t'aimes le mouton? Puis comme, on est vraiment, on est buyer live, là. Ouais. On est pas en mode, on regarde, là, on a besoin pour le 1er juin. Choix, là. On dit, ah ouais, lui, on lève, on le commanderait. Il est comme, OK. Ben, il close pas rien, là! Voir, c'est long corps, mais... Fait que là... Pourquoi on prend sa voix? Pour tout ce qui est custom, c'est 6 à 8 mois, non. 6 à 8 semaines. Il dit qu'il y en a que ça peut prendre 6-8 mois. Ouais, mais pourrait... je disais tout le temps ça aussi. T'sais, on a pas de matelas, mais c'est ça parce que j'ai essayé d'écrire... c'est ça, Cozy, là, ils font des... Je vois souvent passer ça sur Instagram, là, ils font souvent des collabs avec des influenceurs, là, fait que... J'ai pris ma chance, puis ça serait cool là, qu'on ait un divan, puis qu'on fasse une vidéo ou whatever, mais on attend. Mais en bref, tout ça pour dire, on est très last minute. Ouais, mais là, aujourd'hui, il faut... Là, il est 2 heures. The journey going on, on va arriver en retard, parce que c'est 50 minutes ici. Ce que vous savez pas, c'est que moi puis Louis, on est vraiment très bizarres, mais vous le savez, là, mais... Non, je pense pas qu'ils savent à quel point. Ah, oh, j'ai enlevé ma casquette. Genre, parce que plus le temps va avancer, plus vous allez nous découvrir, on est qui vraiment. Ouais, on est vraiment... Bon, en fait, je sais pas si on est gagnants de ça, là. VIP treatment. Pense que tu vas où que le gars dit, là. Je trouve que c'est vraiment BS, là. Une petite Rory. Ben oui, nous, on a notre place à côté de ça. La petite Corolla est ici à côté de la Rory. Moi, je dis qu'on suit les flèches qui disent Centre Belle. Loge. Tu sais quand la dernière fois que t'es allé au Centre Belle? Jamais allé au Centre Belle. Mais c'est ça, j'allais dire. Vrai, quand j'étais vraiment jeune, je pense avec mon oncle, j'avais écouté le Canadien. Oh! Mais moi, mettons, à chaque fois, j'allais voir un spectacle de musique. C'est-tu là ou c'est là? On va dans Loge. Ouais, mais c'est-tu toutes les mêmes enfants? Moi, à chaque fois, j'allais voir un spectacle de musique, je venais au Centre Belle. Moi, elle est là, pourquoi on se fera rediriger? Rediriger? On se fera rediriger. C'est là? Je sais pas. Allô? Comment ça va? Yes. On a des billets, c'est la première fois qu'on va. Oui. Je suis assis de billets ici? Oui, en fait, c'est juste passer la sécurité là, puis après, on se fait des billets. Ah, ok, super. C'est cool. T'es-tu un fan des Canadiens, toi? Pas vraiment. Non, mais non plus. Tu sais, ça va? Allô? Oui, vous. Yes. Et. Bon, merci. On est immeuble, c'est ma faute. Allô? Quel étage? 3e. Bye! Merci. Je sais pas où on va. 3,50. Je viens d'avoir une draft de la bouffe, là. J'ai vraiment l'impression que ça va être des frites, là. Bon, on a prévu le coup un peu. On a moins mangé ce matin, comme ça. Même si on mange un petit peu moins bien, au moins on va être en déficit calorique pareil. En plus, ma mère, elle nous invite à souper demain. Elle dit « Ah, oh, je vais acheter des petites desserts. » Je suis comme « Non, maman, il y en coûte. » Elle est comme « Ben oui, Louis, il va être content. » Je peux pas dire non, là. C'est ma mère, là. Mais il faut vivre quand même, là. Je veux dire, oui, on care about la coûte, mais comme, on enjoy quand même
les petits plaisirs, puis on peut avoir quand même des petits repas. Hein. Mais oui, il faut. Cheat ici, là. Mais est-ce que c'est ici? Mais oui. Vas-y, vas-y, je te fais. Oh, oui. Allô? Allô? Ça va? Oui. Ben oui. Nécessairement, là. Je pensais que c'était juste. Ouais, il y a quand même du monde pour game d'hockey féminin. Non, mais... Ok, bah ben, on vient de demander si on pouvait commander, puis elle a dit, ouais, mais ça vient en paquet de 6. Fait que 6 hot dogs. 6 hot dogs, ouais, pas tant sûr de ça, voilà, là. Mais eux, ils avaient l'air d'avoir des salades de poulet. Ouais. T'as vu? Ouais. Moi j'ai quand même le goût d'un dog finalement. Hey, ça fait longtemps que je mangeais un dog pour rien. Mais moi je veux trouver une salade. Trouvons une salade. On l'a trouvé. Ouais, c'est... ouais, il y a une cage au sport. Fait qu'on va manger une salade de poulet. Ben toi t'as envie de ça ou toi tu vas tourner avec? Ça va être bon là. Est-ce que tu penses que c'est overpriced pour qu'on ait au centre-ville? Ouais, ça vient nous coûter 50$ pour une salade César puis 8 ailes de poulet. On était sûr que dans l'âge, il y avait de la bouffe. Ouais. Quand il y a juste de l'eau. Ouais. Ça va être bon, finalement. Ça va pas être si gros que ça. Ok, on est monté un étage trop haut. Lui, il est comme, je pense qu'on va... Ah, je viens de me poigner dans le... Lui, il dit, je pense qu'on va demander à quelqu'un. Je suis comme, non, on a juste à prendre les escaliers, là. Là, il y a un monsieur qui dit, écoute, tu vas au fond du couloir, tu continues, il va y avoir une porte cachée avec quelqu'un. Ensoleillé. Pour vrai, j'ai hâte que tu répares ta porte. Quoi? Ma porte est pas brisée. Tu sais que je t'ouvre la porte parce que j'étais un gentleman. Oh my god. Tu vas mentir au vlog, hein? Jamais de la vie. Au quartier chinois, je me promenais un peu, mais c'est surtout pour le Korean Skincare. J'avais énormément besoin de produits, surtout des exfoliants de mon côté, puis du démaquillant aussi parce que j'en ai plus. Haha, c'est drôle. Non, pour vrai, j'ai jamais été, puis j'arrête pas de voir des TikTok, honnêtement, c'est la grosse trend live. Donc, on va l'essayer. Ta-na-na-na-na. Je connais cette tune-là. Non. C'est la première expérience dans le quartier chinois. Check là, c'est bon. C'est concept, je trouve. Concept. C'est quand même cool. T'aimes-tu ça? De quoi on parle? Prenez ici. Ouais. Mais encore une fois, ce qui est tannant, c'est que c'est juste la bouffe partout. Ah, oh, puis on a faim. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça. Peut-être. Non, je pense pas. Ah, c'est ça. Oh. Comment t'es excitée? Je suis quand même excitée. C'est genre le gros hype en ce moment, là. I have another costume repair. Ça me dit quelque chose, ça. De? Ça me dit quelque chose, ça. Une demande à une conseillère, ou pas? Ouais. Moi, je comprends rien.
Bon, finalement, j'étais un peu perdue. Ben, en fait, je voulais juste du cleansing oil, puis je pense qu'il n'y en avait plus. Donc, je pense que je vais essayer d'en commander en ligne là, sur des sites. Mais si vous cherchez, c'est quand même cool. Là. J'avais l'air, je connaissais pas vraiment trop mes affaires, mais si vous cherchez une place, c'est dans un centre d'achat. Il y avait l'air d'avoir des bons produits, il y a quand même du monde, là, sauf que on dirait que ça m'a stressé, puis je savais pas c'est quoi je voulais. Elle m'a fait sortir la crème de riz, puis ça sentait le riz. C'est pas la crème de. La crème de riz! Oui, mais c'était un sérum au riz. Là, je dis à Louis, je suis comme ça, ça. Il dit, ça sent le riz. Mais t'avais vu que c'était écrit riz. Non. Ah, ça sent pas le riz. Walking in Montreal. OK, donc là, on va peut-être prendre un petit bubble tea. Pour le vlog. Ouais. Ouais? T'en veux? Non. Ça sent bon quand même. Ça sent les pâtisseries à côté. Ça donne le goût, là. Oh my god, ça donne vraiment le chicken, ça va être bon. C'est de la torture. Ok, on va juste prendre notre bubble tea puis on s'en va, là, parce que. Thé au prix de la passion avec le piocage et le mangue. Perfect. Bonjour. Hello. On va prendre le numéro 2. C'est ça. Moi, je pensais qu'on. Une chose qu'on n'a pas pris un pour la couleur, je voulais en prendre un. On a failli en prendre un verre juste pour la couleur, mais on va pas au travers. Mais si j'ouvre le trou, c'est-tu grave? Non, ouvre le trou. Ah, c'est orange, là. On dirait un. Ah, mais on dirait que j'aurais préféré qu'on le voit. C'est bon. C'est particulier comme des churmes. Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est des black pearl. Mais il y a d'autres morceaux aussi. Ouais, c'est des morceaux de mangue. Mmh. Bon. To the gym. Yep. En route vers Anytime Fitness. Il y a beaucoup de trafic, en fait. Ouais, il faudrait que je trouve une station de service, sinon on va tomber en panne. Hey, j'ai tellement mal au talon, je sais pas s'il y en a qui ont vu mon backflip, là, j'ai mis dans mes reels, mon TikTok. Je me suis pété le talon, puis c'est de pire en pire à chaque jour. Je pense qu'il faut avoir un physio. Mais non, c'est sûrement juste un bleu, là. Non, ça, c'est lourd. T'as mal? Là. Ouais, tout le temps qu'on marchait. Mais c'est dur de le guérir quand tu marches tout le temps dessus, je pense. Guys, don't do backflip. En plus, je veux pas, genre, I don't wanna be that girl, là, mais j'étais comme, fais-le pas si t'es pas confiant à 100%. Bon, encore les écouteurs on. Attache-toi. Oh, je vais m'attacher. On vous explique ce qui s'est passé. On manque un petit peu d'énergie, on n'a pas pris notre pre-record. Ok, excuse, on arrive au gym, puis les deux on se regarde, puis je suis comme, ça me tente pas là. Puis tu sais, c'était cardio et arms, comme ouais. Cardio et ben, arms. C'est une belle journée là. Ouais, c'est quand même. Pour moi, j'adore ouais, cette journée. C'est quand même cool, mais je veux dire, moi dans ma tête, c'est pas genre un des plus importants là, non, workout. Non, c'est comme le extra. Puis j'ai déjà fait mes 10 000 pas dans ma journée. Dans le fond, le Thursday, c'est censé être demain. Ouais. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'à avoir une session ass, on va retourner, on va aller work. Parce que mentalement, on peut être productif, mais comme physiquement, je me sens éclaté. Je sais pas pourquoi, ça arrive des journées comme ça. Fait que tant qu'à donner un 25-50% au gym, ben, je vais prendre mon rest aujourd'hui. Puis comme là, j'ai le goût quand même d'aller edit puis work, là. Puis demain, on va y aller all-in. Ouais, demain matin. Je viens de faire la crème de riz avec des framboises congelées, parce qu'il fallait que je le filme, il manquait ça pour mon what I eat in a day, fait que j'en ai fait un, puis aussi j'ai vraiment le goût de manger ça. Jour 2! Nous sommes en route vers la Rive-Sud, parce qu'on a une petite collab avec Carol Vintage, donc on va avoir des petits oversize hoodies, je sais pas, c'est genre du vintage. Moi ouais, j'ai aucune idée, moi c'est rare que je thrift. Ouais. Mais j'aime le look, mais je suis pas capable de me styler. Il est 11h54, puis on s'est fait un petit sandwich, j'ai fait ça. Sandwich avec de la petite viande. Ça va être bon, mon amour. C'est sûr, je vais me tâcher. Ben, au moins, t'as pas de moutarde. On est fin avril, pis il neige. C'est vraiment une blague. À chaque fois qu'on vlog, une tempête au pire. Il pleut, il neige. C'est tout gris. T'es tanné de moi ou. Ouais. Non, je pense que tu voulais parler de la neige. Non, je parle de toi. Faudrait y aller, hein. On dit qu'on va être là et pas. C'est vrai, chance. Allons-y. T'es pas écrit autant loin, hein? Pour qu'on ait nos steps. Oh, j'ai oublié de mettre ma montre. Non! Je l'ai enlevée. J'ai recommencé à mettre ma Fitbit. En fait, pour calculer mes pas, j'essaie de faire 10 000 pas par jour. Je suis quand même bonne dernièrement. Walking in the mall. Tu vois où dans nos vlogs, on est tout le temps au centre d'achat? On est tout le temps au centre d'achat. À l'épicerie. Ça va bien, les mailles.
Non, tu rentres pas. Oui. T'es gone avant? Tu me causes l'anxiété de l'air. Pourquoi? Crie! Pourquoi que je... Jackson! Dansez-vous, madame! Des bruits! Non, mais si la tête passe, tout le reste passe. Je suis pas sûr, moi. Non! Je suis trop grande, moi. Donc là, on a des nouveaux pieces. On va les faire ensemble qu'on vient les trouver dans le magasin. C'est une petite technique marketing. Ouais. Faut pas le dire, faut pas le dire. On adore. Les couleurs, en plus, ça va marcher, ça pour le Jimmy. That's it. Il est parfait. C'est ça dans le sang, hein? C'est dans le sang. Il est malade, c'est déjà bien maintenant. Je suis désolé. Le ballon est dégonflé. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend les pieces pour ces échanges. Ouais. Outfit number one. Oh! Oh! Tu sais, j'ai le micro. Ouais, il est beau. Ah, merci. Alors, on vient de partir avec un sac plein de nouveaux outfits. C'est cool. C'est vraiment nice. Shout out to Xav, pour vrai. Ah, il est tellement fin, pour vrai. Allô, Carole. Ouais. Pour la peine, ils ont des beaux pieces, surtout en ligne. Honnêtement, c'est surtout plus en ligne parce qu'on est allé à l'entrepôt où est-ce qu'il y a le stock en ligne. Exact. Fait qu'entre vous autres puis nous autres. Au mail Champlain à Brossard. Super cool la vidéo, j'ai hâte de voir les résultats là. Ouais, yo! C'était une semi bien organisée, semi broche à foin. Ouais. Genre des fois, je disais n'importe ça quoi. C'est un peu bizarre là. Mais on est bien de fun pour elle. Puis à la fin, il y a une fille qui vient nous voir dans le magasin, puis elle dit excuse-moi. Puis là, on pensait peut-être qu'on travaillait ici là. Puis là, finalement, on demande à Louis. Elle dit oh mon chum, il t'aime fou, là. Il regarde pas tes vidéos. Fait qu'il a parlé en FaceTime à. Shout-out Charles. C'est Charles. Ouais. Oh, trop cute! Pour vrai, Big Love, man, c'est vraiment apprécié. Là. Tu comprends pas comment ça a fait ma journée. Pour vrai, puis, ça fait tellement plaisir de rencontrer tout le monde. C'est pour ça que je fais le contenu, pour inspirer, puis motiver, puis. Oui. Malade. Pre-workout meal dans l'auto. Je me suis fait du cream of rice d'avance. Est-ce que t'es jaloux un peu? Moi, j'adore. Toi, ça va être quoi? Rice Krispies. Un pâte à biscuit, puis un. Arc-en-ciel. 90 calories chaque. Des bonnes carbs. Moi, il y a des protéines. Ouais, c'est ça. Moi, il manque des protéines, par contre. Tu prendras un shake à soir. On s'en va hit un gros leg workout. Malheureusement, on pourra peut-être pas vous amener avec nous parce qu'il y a de la musique à l'intérieur. On peut pas. C'est vrai. Le gymnase. Fini le leg day. C'était solide, là. Mais moi, j'ai encore mal au talon à cause du backflip que j'ai fait. Je me suis pété le talon. Toi, ton leg day? Ben, après, je suis encore raquée d'avant-hier. C'est parce que j'avais oublié, j'avais fait un leg day quand même intense il y a deux jours. Mais c'était quand même bien. J'ai fait mes steps. Puis j'ai fait un peu cardio. Puis du bon content. Toi? Ouais, moi aussi. Mais je suis raquée, j'ai mal au cul, on dirait. Ah? C'est une chaîne YouTube, ça aussi. Ouais, on a une chaîne YouTube à moi, Pierre. Mange ta carotte. Pour vrai, depuis qu'on mange deux carottes par jour, là, notre tan est plus orangé. Puis ça, c'est à cause de la carotine, puis c'est vraiment factuel, là, scientifiquement prouvé. Puis on est l'expérience première au Québec, puis cet été, quand on va être orange, on va dire à tout le monde manger des carottes, puis vous allez voir, tout le monde va manger des carottes. Pour vrai. Pour vrai, ça fait combien de temps qu'on mange des carottes à chaque jour? Ça fait une semaine et demie. Une semaine et demie qu'on mange deux carottes par jour, puis pour vrai, on est plus bronzé. On se regarde. Sinon, pour le souper, dîner, 160 g de poulet, 200 g de patates, puis 120 g de brocoli. Low calorie, high protein, puis quand même beaucoup de carbs vu qu'on a après le workout. Donc moi, j'ai vraiment mis n'importe quoi parce que j'avais un restant de filet mignon, steak que ma mère avait fait, puis des patates que Louis a cuit, des brocolis que moi j'ai cuit. Et du poulet, mais j'ai tout pesé puis ça rentre dans mes macros. Donc, ça va être super. Puis j'ai même rajouté la petite sauce, celle-là. La sauce Fugo du Fit Cook est un peu spicy. On aime. Ce fut un vlog plutôt relax. Sans grosse activité. Ouais. Mais comme quoi on faisait avant. Donc j'espère que vous avez aimé quand même. Puis. On prend toujours des suggestions d'activités. Mm-hmm. Le next vlog, il va être à Québec. Mm-hmm. On a quand même un gros mois de mai, là. Mm-hmm. Moi, je pars pour un
secret shoot, je peux pas encore dévoiler, mais je vais faire un shoot. Puis après ça, on déménage. Premier jour, on déménage. Puis ça, on va vlogger un peu. Ben oui. Le déménagement, là, ben c'est oui. Sûr qu'on va vous montrer ça. On est vraiment excités, vous allez voir la vue incroyable. C'est beau, on va être bien, on va faire plein de content là-bas. Bonjour. Ok, bye guys. Bye. Love you. À la semaine prochaine.